J'entends qu'il y a du monde. Mais j'arrive pas à voir où. Où est-ce qu'il est? On entend les bruits de pas dans la neige, je l'ai pas vu. Les ruines ont l'air de grouiller d'Akavis mort-vivant. Je sais pas depuis combien de temps ils sont emprisonnés, mais la prudence s'impose. Il faut que je trouve le commandant Akavir du fort. Apparemment, c'est lui qui a la pierre de folie draconienne en sa possession. C'est beau. Je sens que le piège va se refermer derrière moi.
C'était stylé. J'avais bien vu qu'il y avait un déclencheur au sol. De toute façon, je ne sais pas réparer en tant que forgeron le matos qui est enchanté. Ma punaise.
mais attends, j'ai fait tous les couloirs de... Attends. Ah oui. Ah, je suis dans la merde. J'ai plus de charge dans mon arme. Je trouve que je progresse bien.
Ben dis donc, ça fait quête. Je pensais que le piège allait se déclencher, mais non. De sort, mais quel con.
Enculé, ah la vache. Ah non, je recommence tout. Oh putain. Carnage! Oh le combat de fou! Je vais y passer une demi-heure.
explose. Oh, ça c'est pas cool. Je ne crois pas, mais bon. Ah!
fait plaisir. Tentative auto fonctionne. Putain, mais là, je suis dans l'obscurité la plus totale. Ah si, j'avais, si si, j'avais. Comme un caca, non? Pour le coup, bah, défense. Est devenu vert, je suis dans la bonne pièce. Ah.
Attention! J'ai même pas vu d'où arrivait le squelette. Votre voyage a été long et périlleux, mais ce n'est pas le moment de vous reposer. L'armée de Rayman est proche, et nous n'avons presque plus de provisions. Nous vous attendions. Quelles sont les nouvelles d'Akadir? Voilà vos ordres. Bien joué, soldat. Votre mission est accomplie et je vous en remercie. Nous pouvons nous reposer à présent. Vive la Kavir! J'ai donné la tablette portant les ordres au commandant. Il l'a prise avant de disparaître en laissant derrière lui ses affaires et une bonne quantité de poussière. Les ruines ont retrouvé leur calme. Après tant d'années, leur dernière mission a enfin été accomplie. Il faut à présent que je poursuive mon chemin pour récupérer la pierre de folie. Ah oui. Sympa. Oh la vache. Ah, j'espère que la comtesse va m'autoriser à acheter. J'ai récupéré la pierre de folie draconienne. Il faut à présent que je retourne vers la comtesse Carvain à Bruma. La route va être longue. Ouais. On parle fort. Je m'assois sur le trône. Regarde la poutre. Ah merde, faut que je me lève si je veux faire mon sort de lumière.
merde. Je vais pas récupérer l'anos. Oh, c'est dingue. Mais c'est dingue. Oh là là. Là c'est lui qui va garder ça. Du retour va être longue. C'est pas comme si je m'étais enfoncé dans une grotte de Skyrim depuis Cyrodiil. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors je pense que là je vais être récompensé d'avoir fouillé. Qu'est-ce que c'est que ça? La note froissée. Alors le 14 feu d'âtre, 3e mer de en l'an 362. J'imagine que tu as trouvé le message dont je t'avais parlé, mon vieil ami. Nous avons voyagé ensemble si longtemps que tu es le seul en qui j'ai suffisamment confiance pour confier l'anneau et mon histoire. Je savais que passer par la fenêtre de la maison de ce magicien était une erreur, mais la valeur de l'anneau était trop tentante pour être ignorée. Il disait qu'il valait des milliers de pièces d'or, suffisamment pour me permettre de bien vivre pendant un moment et en faisant profil bas. On m'avait également dit qu'Ortazel avait quitté la ville pour se rendre dans une quelconque réunion de magiciens. Il se trompait intégralement. Tu pourrais penser qu'à force j'aurais pris l'habitude de gérer l'imprévisible étant donné notre profession. Mais après avoir tenté partout de refourguer l'anneau, il m'est apparu clairement que personne n'y toucherait. Pire, pendant tout ce temps, Ortazel n'a pas cessé de me suivre à la trace. J'ai dû faire jouer de nombreuses faveurs pour réussir à conserver une certaine avance sur lui. J'ai décidé de filer vers le nord, en direction de Bordeaux-Ciel. Alors que je traversais les montagnes de Jaral, il a fini par me rattraper. Deux boules de feu plus tard, je me suis retrouvé à dévaler une pente abrupte, donnant sur une vallée. J'ignore où je me trouve, mais j'ai découvert les ruines d'un ancien fort. Heureusement que ce maniaque ne m'a pas suivi dans la vallée. J'imagine qu'il m'a cru mort. Je pense que je vais dissimuler l'anneau dans cette vallée, prendre la route de Bordeaux-Ciel et revenir quand je me sentirai en sécurité. J'ai utilisé de vieux coffres trouvés dans les ruines pour m'assurer que personne ne tombera par hasard sur l'anneau. Tu sais, le vieux truc de la clé pour la clé que nous avions l'habitude d'employer. Si je ne reviens pas et que tu lis ce message... Alors, l'anneau est à toi, mon ami. Serre-toi bien et ne m'oublie pas. Signé GS. Je suis donc invité à la fouille dans la zone. Voilà qui est très intéressant. Je fouille.
les dents d'ogre, ça fait quoi? Dégâts, intelligence, résistance, la paralysie, dégâts de force, suspension. Bon, je prends ces dents ogre là. J'essaye de faire de la chimie, ça passe quoi? Voilà une question qui est bonne. Résistance à la paralysie. Avec la glycine, ça fait quoi? Dégâts. Ah, fortification de force avec de l'ail. Ah, c'est bon ça. Ah, faudrait que je récupère donc leurs orteils à ces salopios. Ah, c'est une charge d'assaut sur pattes. Ah oui, non, parce que j'avais déjà fait le repas. J'ai déjà récupéré ce qui m'intéresse. Casse-noisette.
répondrai après.